ne pas faire trop long pour vraiment laisser Gérard nous dire ce qu'il a à nous dire. C'est un projet de loi qui, en réalité, est un projet de loi de casse de la fonction publique. En tout cas, c'est comme ça que je le décrirais, qui vise à précariser les agents de la fonction publique, et donc la fonction publique elle-même, à organiser la confusion des gens, la confusion des intérêts parfois. Et je pense que ce n'est pas un sujet mineur. Peut-être que Gérard aura l'occasion d'y revenir. D'une certaine façon, à porter atteinte à ce que moi j'appelle la puissance publique. C'est-à-dire la capacité qui est la nôtre, que nous nous donnons, d'intervenir au nom de l'intérêt général pour faire avancer un certain nombre d'enjeux, pour attaquer un certain nombre de défis et pour défendre ce qui est...